Israël colonise les territoires occupés palestiniens. Cette phrase, vous l'avez sans doute entendue en allumant la télé, en parlant avec un pote à l'université ou tout simplement en ouvrant le compte Instagram d'une de vos stars préférées. Depuis plusieurs années, ce discours qui fait d'Israël une force coloniale s'est répandu jusqu'à devenir la norme et même imprégner le vocabulaire diplomatique de la France. Je pense ici à la poursuite des constructions dans les colonies. Nous avons échangé sur ce point, j'ai rappelé quelle était la position française et ma position sur ce sujet. Alors, avant de savoir si oui ou non Israël colonise les territoires palestiniens, il faudrait déjà commencer par comprendre ce qu'on entend par colonisation. C'est quoi la colonisation? Eh bien, c'est assez simple. C'est l'occupation ou l'exploitation qu'un peuple fait d'une terre qui lui est étrangère. Par exemple, quand la France conquiert l'actuelle Algérie en 1830 et s'y installe durablement, la France colonise l'Algérie. Autre exemple, quand les Arabes envahissent l'Espagne au 8e siècle, le califat omeyyade colonise l'Espagne. Affirmer qu'Israël colonise les territoires palestiniens, communément appelés Cisjordanie, revient donc à considérer Israël comme une entité étrangère à ces fameux territoires. Eh bien, factuellement, c'est faux, c'est même archi-faux. Je m'explique. Pour rappel, Israël, c'est l'état-nation du peuple juif. En 1948, les juifs renouent avec leur souveraineté antique et fondent le seul pays juif au monde, l'état d'Israël. Mais attention, quand on parle d'état juif, on ne parle pas seulement d'un pays guidé par les préceptes de la religion juive, comme on pourrait parler d'un pays chrétien ou musulman. Non, quand on parle d'état juif, on parle surtout d'un pays où le peuple juif retrouve politiquement sa dimension nationale perdue il y a 2000 ans sur la même terre. Donc dire qu'Israël colonise la Cisjordanie, c'est considérer les Juifs comme des étrangers en Cisjordanie. Et considérer les Juifs comme des colons en Cisjordanie, eh bien, c'est tout simplement ignorer ce qu'est la Cisjordanie. Historiquement, le nom Cisjordanie désigne littéralement la zone occidentale accolée au fleuve du Jourdain. Ce terme géographique est popularisé par l'administration jordanienne entre 1948 et 1967, à l'époque où la Jordanie occupe militairement cette région. Sauf que ce territoire a un nom un peu plus ancien, et par un peu plus ancien, je veux dire un nom vieux de 3000 ans, celui de la Judée et de la Samarie. Mais c'est quoi la Judée-Samarie? Eh bien, ça n'est autre que le berceau historique du peuple juif. En hébreu, la Judée se dit Yehuda. À l'origine, cette région montagneuse constitue l'un des 12 territoires antiques de la terre d'Israël, chacun correspondant aux 12 tribus bibliques, comme celles de Dan, Simon, Benjamin, Naphtali ou encore Ephraïm. Au fil du temps et des colonisations étrangères, la Judée désignera l'ensemble du territoire hébreu. Sous les Romains, la Judée deviendra Provincia Judea, version latine qui donnera en vieux français le terme Juiu, qui lui-même formera le nom juif. Vous l'aurez compris, le nom des juifs est avant tout un marqueur national, un indicateur de leurs origines ethno-géographiques, la Judée. En gros, dire qu'Israël colonise la Cisjordanie revient à dire que les juifs colonisent la Judée, et donc que les judéens colonisent la Judée. Vous voyez le problème? Par définition, un peuple ne peut pas coloniser sa propre terre. Le peuple juif ne peut pas voler une terre qui porte déjà son nom et dont il est issu ethniquement, politiquement, culturellement et religieusement. En Judée-Samarie, en Cisjordanie, les juifs sont en fait des autochtones. Mais dans ce cas, qu'en est-il des Palestiniens? Et depuis quand parlons-nous de Palestine? Pour le savoir, il faut encore nous pencher sur l'histoire. Au 2e siècle de notre ère, après les avoir massacrés et déportés, les Romains portent un véritable coup de grâce aux Juifs en rayant littéralement leur nom de la carte. Pour bien enfoncer le couteau dans la plaie, l'empereur Adrien décide cyniquement, en l'an 135, de remplacer le nom de Judée par celui des ennemis bibliques d'Israël, les Philistins. À l'époque, les Philistins ont déjà disparu, mais leur souvenir d'envahisseurs européens est encore vif dans la mémoire juive. La Judée devient donc Syria Palaestina. Et quand les armées arabes commandées par le général Khalid ibn al-Walid découvriront et coloniseront Israël 5 siècles plus tard, dans le cadre du premier djihad, ils ne feront que reprendre le nom légué par les Romains, la Palestine. En réalité, contrairement à juifs, le terme palestinien n'a historiquement jamais servi à désigner un peuple, une ethnie ou un groupe religieux, mais simplement à qualifier administrativement ceux qui ont résidé sur ce territoire rebaptisé par Rome. La preuve, c'est que dans les années 20 et 30, avant la création de l'État d'Israël, les Juifs de retour sur leur terre étaient eux-mêmes considérés par les Britanniques comme des Palestiniens. Prenez ce poster par exemple. Il est souvent utilisé par les campagnes anti-israéliennes pour attester de la pseudo-historicité d'une Palestine arabe. Sauf que manque de chance, ce poster, c'est un poster sioniste
dessinée et promue par des associations juives de l'époque. Autre exemple, prenez cette équipe de foot palestinienne de 1939. Difficile pour la mannequin américaine Bella Hadid de ne pas la récupérer pour dénoncer le caractère pseudo-colonial du sionisme. Mais toujours pas de bol. Allez voir de plus près, les écussons arborés par les joueurs sont en forme d'étoiles de David. Désolé Bella. Les archives du passé palestinien qui t'émeuvent tant, ce sont celles d'une équipe juive. Enfin, l'emploi du lexique colonial renvoie inévitablement à l'image d'une conquête d'un pays par un autre. Quand on parle de territoire palestinien occupé, on a l'impression qu'Israël a envahi le pays de Palestine, un peu comme la Russie a récemment envahi l'Ukraine. Mais c'est faux, car il n'y a tout simplement jamais eu d'État palestinien. Jamais. À l'exception des Juifs, il n'existe pas dans l'histoire d'autres peuples souverains sur cette terre. Et c'est normal, puisque le reste du temps, cette terre n'a jamais constitué qu'une petite province d'un plus grand empire colonial. Entre 1948, la création d'État d'Israël, et 1967, la guerre des Six Jours, c'est la Jordanie qui occupe illégalement la Judée-Samarie, pas l'État palestinien, puisqu'il n'existe pas. Dans un conflit où les mots ont du poids, il est essentiel de comprendre leur sens et de bien savoir les utiliser. Qu'elle soutienne ou non Israël, la France fait erreur lorsqu'elle parle de colonies en territoire palestinien occupé. Heureusement, les erreurs sont faites pour être corrigées.